Monsieur le Président, les rencontres vont bientôt commencer d'ici quelques minutes. Quelle est votre impression au début de ces rencontres? Elle est bonne, pour ne pas dire très bonne même, puisque nous sommes dans un cadre qui est magnifique déjà. Et comme le temps allait être avec nous, c'est déjà pas mal. Ensuite, je suis très content parce que je vois arriver des gens. Ça veut dire qu'on ne sera pas les... il y aura un nombre assez important de gens pour pouvoir travailler correctement. Et puis, je suis content aussi parce que j'ai vu que les partenaires, le service même du CCE a bien travaillé pour que les choses se passent bien. Après, il faudra vraiment... La bonne impression, ce sera à la fin, quand on va voir le résultat du travail. Quel vœu vous formulez pour ces rencontres ? Je crois que dans la vie, on se pose de temps en temps pour réfléchir un peu et voir si on va dans la bonne direction. Alors, le vœu que je peux formuler, c'est que qu'on soit toujours dans cette direction, la bonne direction qui nous amène depuis quelque temps à avoir un monde nouveau où on doit s'intégrer plus à la nature que plutôt l'inverse, que détruire la nature. Ouais. Madame Cottereau, est-ce que vous pouvez nous donner votre impression au début de ces rencontres et quel vœu vous formulez pour ces 3 jours? Je suis contente parce que ça fait déjà 10 jours que je suis arrivée et j'avais besoin de m'imprégner un peu de la façon de travailler ici, de cette culture, de l'éducation à l'environnement. Et donc, je suis vraiment venue pour un partage d'expérience, un partage de vision des choses, en espérant qu'on réussisse à co-construire dans la diversité de nos conceptions de l'environnement, de nos conceptions de l'éducation et de nos conceptions de l'éducation à l'environnement. Monsieur Tubé, vous venez de Métropole pour ces rencontres. Est-ce que je peux vous demander quel vœu vous formulez et avec quel état d'esprit vous allez commencer cet événement? Ben pour moi, c'est des vœux de partage et du coup l'état d'esprit qui va avec. L'idée, probablement dans ce genre de rencontre, dans ces moments de rassemblement, c'est de voir comment ensemble on peut se conforter, voire se rassurer. Et puis être dans l'idée que ce sera plus facile après pour transmettre à d'autres. Mickaël, au lancement des rencontres, quelle est votre première impression ? Donc, en première impression, j'avais une crainte ce matin parce que le beau temps n'était pas au rendez-vous. Mais là, le ciel se dégage. Et c'est un heureux présage, je pense, pour la bonne tenue de ces rencontres. Les gens arrivent au fur et à mesure. L'ambiance m'a l'air bonne et studieuse, je vois des gens avec des papiers, on me demande des renseignements, donc tout va bien. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'Assemblée pour ces 3 jours? Ben, des travaux riches, fructueux, et du partage, de la connaissance, du partage, de la volonté de partager pour travailler davantage ensemble et faire toujours mieux pour la préservation de la Réunion et sa nature.